Adwaer a beau porter un nom de famille qui ne laisse personne indifférent dans le petit monde du 7e art. La route ne fut cependant pas toute tracée pour elle. La fille du comédien Patrick Dwyer, décédée trop prématurément en pleine gloire, a dû se battre pour s'imposer en tant qu'actrice à part entière. On ne va pas se mentir, je me suis dit que ça irait plus vite pour moi si je m'appelais Dwyer. Après tout, il me devait bien ça, mon père, confiait-elle dans les colonnes de Voici en mai dernier. Depuis 2019, elle partage l'affiche de la série Astrid et Raphaël avec Sarah Mortensen. Une grande fierté pour l'actrice de 41 ans, qui attendait un premier rôle depuis longtemps. Côté cœur, tout est également au beau fixe pour la comédienne. C'est le 31 mars dernier que Lola Dwyer a officialisé sa relation avec Pierre-Édouard Bellanca en postant une photo d'eux deux sur son compte Instagram. « Viens on s'étale mon amour », avait-elle commenté en légende de ce tendre cliché. Petit focus sur celui qui occupe le cœur de la jolie brune. Le chéri de l'actrice est, lui aussi, comédien. Mais contrairement à Lola, qui cartonne à la télévision, c'est sur les planches que le jeune homme a fait la majeure partie de sa carrière. Après avoir suivi les cours Florent entre 2004 et 2008, Pierre-Édouard Bellanca a fondé ensuite sa propre compagnie, la Compagnie des Aléas. En parallèle, le comédien travaille également sur la radio WeFM où il est interprète et traducteur simultané. Sur son compte Instagram, il se définit également comme auteur et chanteur. Folle amoureuse de son chéri, Lola Dwyer partage régulièrement des clichés de deux. En juin dernier, les amoureux se sont même donné la réplique dans un épisode d'Astrid et Raphaël. Entre Lola et Pierre-Édouard, c'est une affaire qui roule.